à la phase innovante. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre soin de votre peau. Parce que vous êtes tellement contente d'être dans cette phase-là que vous risquez de prendre un peu pas le temps de vous reposer. Donc, on a mis des conseils dans le cahier Mieux Naturo pour bien soutenir votre système surrénalien à ce moment-là, parce que vous allez en avoir besoin. Et puis, des huiles essentielles et des plantes. Il y a un super cocktail dans le livre. Enfin, je vous recommande. Vous pouvez l'offrir aussi. Sacré jeu. Alors, on va se faire une petite, un petit rituel. Ce rituel, il m'est venu, mais alors, je ne vous raconte pas comment. Ah oui, parce qu'alors, on va vous dire un truc qu'on ne vous a pas dit, c'est que les rituels, on ne les a pas copiés. Oui. Ils viennent de nous. Je suis rassurée, les filles. Ouais, non, mais je dis parce que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Alors, bon... Ce rituel, c'est pour vous aider à affirmer votre identité. Alors, je vais avoir besoin que vous vous leviez. Si possible, vous enlevez les chaussures, si vous avez envie ou pas. Alors, dans ce rituel, dans le livre, on a demandé un tambour, si vous en avez un. On va peut-être faire un peu de bruit, ça ne va pas déranger ton bébé. Tu peux la filmer si tu ne peux pas. On va faire comme si vous n'aviez pas de tambour à la maison, donc ça c'est bien, parce que comme ça on peut taper dans les mains. Mais on ne tape pas dans les mains tout de suite. C'est moi qui commande. Bon, alors là vous êtes bien connectés, vous êtes bien dans vos pieds, elle a fait tout le travail la Serena, elle vous a bien mis dans la terre, elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc là c'est vraiment pour affirmer votre identité. Donc pour affirmer mon identité, ça veut dire que je suis puissante, pas forte, mais je suis dans ma puissance. Donc je suis allée chercher le haka. Le haka, c'est une danse que l'on fait pour montrer sa puissance à l'adversaire. Et il voit tellement notre puissance qu'en fait, il n'y a pas la guerre. Donc le haka, c'est vraiment une technique pour faire monter l'énergie. On a une danseuse parmi nous qui nous en parlait certainement très bien aussi. Donc c'est pour faire monter cette énergie. Et pour être tellement puissante, c'est-à-dire avoir une aura qui fait des kilomètres entiers, que je suis invincible dans ma puissance. Et comme je suis invincible dans ma puissance, je suis aussi dans mon cœur. Je ne suis pas forte, je suis puissante. Donc, mettez vos deux pieds bien écartés, un peu plus que votre bassin. Et commencez à frapper dans vos mains. Tout à l'heure, sentez l'énergie qui monte, les mains qui picotent, on recommence. Continuez les pieds parce qu'il ne faut pas
régénérer, réhabiter dans votre corps. Et tout doucement, et vous avez vu comment on était tous ensemble? On n'a pas eu besoin de dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est venu tout seul. Et vous arrêtez tout doucement, tranquillement. Tranquillement. Voilà. Vous restez encore un petit peu assis. Vous checkez un peu votre corps, de vous à vous. Et vous remerciez la phase innovante de vous avoir accompagné. Merci mesdames. Merci. Merci à vous aussi. Alors, nous allons continuer avec la troisième phase qui est la phase de l'ovulation.